êtes senti face à ces nouveaux candidats? Est-ce que vous avez eu des surprises, Cyril? Est-ce que vous avez eu des surprises? Bonjour à tous. Ben oui, on a eu des surprises forcément, puisque quand on parle de pâtisserie, on parle de gourmandise, on parle de talent, de différentes personnalités. Donc forcément, de candidats qui s'entraînent chez eux, avec des régions différentes. Moi, ce qui me fascine à travers ce programme, c'est que j'apprends. Et notre métier de cuisinier et de pâtissier, c'est d'apprendre tous les jours et de se remettre en question. Et j'ai appris plein de choses. Je me suis engueulé avec Stella sur les calistrénies, puisque j'adore la Corse et qu'elle est corse. Enfin voilà, on a vécu plein de bons moments tous ensemble. J'ai été très épaté par différents gâteaux, par différentes pièces. J'ai même été bluffé par le talent de certains dont je n'étais pas capable de le faire, mais j'ai au moins la décence de le reconnaître, comme un joli sac à main, il ne faut pas trop dévoiler, mais un joli sac à main ou un joli manège, vous comprendrez peut-être pourquoi après. Et cette sensibilité, aussi ce courage de aussi prendre du temps pour venir partager la pâtisserie. Parce que même si on est dans une ambiance conviviale et on partage cette même passion qui nous anime, il y a quand même du travail, de la rigueur, de la remise en question et une bonne volonté de nous faire plaisir et de nous de comprendre ce que j'aimais pour faire en sorte que ça passe. Il rigole déjà, donc voilà, j'essaierai pour la prochaine fois d'être encore un peu plus discret sur les goûts que j'aime. Mais c'est vrai que quand ça traînait un petit peu, ils savaient quel goût il fallait faire pour que ça me plaise. Donc avec Mercotte et Faustine, on a pris beaucoup de plaisir, voilà.